Veille d'étape plutôt tranquille à Saint-Quay-Portrieux. Le calme avant le gros morceau qui attend les skippers dès demain. Ça va être beaucoup plus engagé en termes d'implication. Il va y avoir beaucoup moins de sommeil parce que le trafic maritime est bien plus dense et on va être aussi bien plus près des côtes. Un parcours raccourci en raison du peu de vent annoncé. Tant pis, les marins ne verront pas le phare de Wolfranc. J'aime bien faire le tour de Wolfranc, c'est toujours sympa. Après, Eddystone, on fait très peu, donc c'est sympa d'aller dans de nouveaux endroits. Après, moi, personnellement, j'ai fait les courses au large pour régater avec les autres bateaux et essayer d'aller plus vite qu'eux. Donc, si c'est Eddystone et Wolfranc, ça ne change pas grand-chose. Et si on arrive à visiter et voir des paysages un peu différents, pourquoi pas. Départ de la seconde étape, demain 11h. Au menu, la traversée de la Manche pour se remettre tout de suite dans le bain, avec sans doute peu de temps pour du tourisme.